Évoquant notre grenadière, Yacine Guesmia, le coach du stade brestois 29 Glisse. Je la connaissais déjà, je l'avais vue jouer avec la sélection U20 lors de la Coupe du Monde. C'est une joueuse à fort potentiel, il fallait saisir l'opportunité. Tabitha n'aura passé qu'une saison avec ce club relégué en Division 3. Pour éviter toute mauvaise surprise, l'Olympique de Marseille qui suivait de près Tabitha l'a enrôlé rapidement, et ce, avec pour objectif principal d'accéder en D1 Kima l'an prochain. Tabita et les équipes nationales. Après avoir intégré l'académie Kanou, la petite Tabita a été essayée à plusieurs postes, comme au milieu du terrain ou en défense centrale. Elle a ainsi gravi les échelons pour porter les couleurs de l'équipe nationale des moins de 17 ans, 2017 à 2018, les U20 2018 et l'équipe nationale en 2019. Avec les moins de 20 ans, elle a pu disputer.